Salut tout le monde, c'est Steven. Et aujourd'hui, je viens de sortir le Snapshot 12W49A qui inclut. Oh, il y a un village par là-bas. Qui inclut une nouveauté qui sont les feux d'artifice. Il y a également une autre nouveauté, mais c'est pas encore assez développé pour que je vous la présente ici. Comment on fait des feux d'artifice? On va avoir besoin de pigments, de modifieurs, donc ça sont les modifieurs présents. On peut avoir plus de pigments que ça, il n'y a pas que ça, de poudre et de papier. Pour crafter une bombe, on va mettre de la poudre et ensuite on va lui ajouter des pigments. Donc ici on aura une toute verte, ici on aura une qui aura deux fois plus de vert. On va lui ajouter un peu de bleu par exemple. Vous voyez, on a une petite balle bleue, verte, bleue. Verte et encore bleue, et je sais pas si on peut lui rajouter encore plus. Voilà, ici elle aura encore du rouge en plus. On a une bombe, et donc avec ça on la place ici. On met de la poudre, du papier, et on a notre fusée. On peut ajouter de la poudre pour que vous voyez flight duration. Pour que le vol, enfin la montée de la fusée dure longtemps, et si c'est à 2, on peut en mettre jusqu'à 3. Je vais mettre 1 pour l'instant. Une fois qu'on a fait ça, on peut la récupérer. Et bon, là je suis en créatif, donc forcément je vais pas perdre la fusée, mais soit on peut faire un clic droit pour la lancer. Vous voyez, c'est très joli. On va monter en même temps. Donc soit on peut faire ça, soit on peut la placer. Dans un dispenser et l'alimenter. Donc vous aurez remarqué qu'il n'y a pas encore de son. C'est normal, c'est parce que c'est pas encore implémenté. Donc ces modifieurs, je vais vous les présenter un petit peu. On va admettre qu'on veut une. Non, on va faire une blanche, tiens, c'est joli, les bombes blanches. Hop. On a le nugget qui va lui donner une forme d'étoile. Vous savez quoi, on va en crafter plusieurs. Enfin, avant ça, je vais vous faire des petites démonstrations, peut-être. Oh non. Je vous montrerai après. Hop, voilà. Donc ici, on aura une forme d'étoile. Ça, je vais ranger, on s'en servira tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui mettre une traînée, je crois. Vous voyez, c'est marqué Trail. Avec une plume, c'est burst, ça je sais pas encore ce que ça fait, jamais essayé. La poudre, ça fait twinkle, il me semble que ça clignote. Avec la tête, avec n'importe quel crâne, ça nous fait une forme de tête de creeper. Et avec un fire charge, ça fait une grosse explosion. Donc tout ce qui se. Enfin, ce qui s'affiche juste en dessous de Firework, pardon, Star, il s'agit de la forme, donc vous pouvez pas en combiner plusieurs. Mais ce qui s'affiche en dessous, donc Twinkle par exemple, vous pouvez en combiner plusieurs. Par exemple, je vais faire une grosse, donc il y a une très grosse forme. Vous voyez, c'est marqué Large Ball, toute blanche, qui clignote, donc Large Ball Twinkle, et qui laisse une traînée, par exemple. Donc Large Ball Trail Twinkle. Il me semble que la forme n'a pas d'importance. Donc on va tester ces différents effets. Hop. On va remettre la nuit. D'abord la forme en est. Oups, j'ai pas fait de fusée. Ah. Donc on va faire une fusée par truc. On peut en faire 100. Ah, apparemment on peut faire des roquettes qui ne contiennent rien. Peut-être qu'on peut ensuite les combiner à des. Non. Ah bon, j'ai fait des trucs qui servent à rien. On va voir si on peut en faire quelque chose de ces trucs-là. Je sais pas encore. Hop, je continue à faire ça. Voilà, on a tout crafté, on va essayer ces roquettes. Donc celle-là, c'est la vide, je vais l'essayer en première. D'accord, ça ne fait rien. Rien du tout. Donc ça, c'est en forme d'étoile. Ah ouais, c'est joli. C'est vraiment très joli.
Ici, on a qui laisse une traînée, je crois. Waouh! Waouh! Ici, on a Burst, donc ça, je sais pas ce que c'est. Je suis pas tout à fait convaincu par ça. En forme de creeper ensuite, de tête de creeper. Ah ouais, en effet. Ok. Ici on a une large, enfin une grosse explosion. Ah oui, c'est beaucoup plus gros en effet. Et ici donc j'en ai combiné plusieurs. Ah oui d'accord, Burst. Ah, c'est Twinkle qui fait. Évidemment, vous pouvez mettre de la couleur en plus. Tout ça là-dedans, on va tout lancer d'un coup. Enfin, pas d'un coup, mais. Ouais! Bien sûr, si vous faisiez un bref artifice, vous voudriez mettre des timers. Donc là, j'en ai fait trois autres. Et apparemment, donc on peut les combiner au moment où on fait la requête. Donc ce que je vais faire une requête qui dure, qui vole au maximum, donc 3. Puis je vais lui ajouter 2 boules, 3 boules. Est-ce qu'on peut rajouter une autre boule peut-être? Oui, peut-être qu'on peut mettre même une cinquième boule. Bon là j'en ai pas 5 donc on va déjà faire 4 boules, ça va être suffisant je pense. Ouais c'était un peu trop haut, on voyait pas grand chose. D'accord, ah oui burst ça explose complètement, d'accord c'est donc ça que ça fait. On va se faire une petite dernière, une jolie. Alors de la poudre. Faire une rouge. Bleu, peut-être. Oui. Donc je disais une rouge et bleu. Est-ce qu'on peut rajouter de la poudre? Non, ça fait rien. Et blanc également. On va mettre du blanc. Une grosse. Hop. Qui clignote et les traînées, ça va être un diamant, ça c'est assez cher. Voilà, on a une jolie boule. Hop, et ensuite on l'ajoute à une roquette qu'on va faire partir deux blocs de haut. Très bien. Alors, c'est joli ou pas? C'est très joli. Après là j'ai utilisé des couleurs assez sombres, on peut utiliser des couleurs un peu plus claires. Mais voilà, donc pour le nouvel an ça pourrait être sympa, pour Noël, tout ça. Des feux d'artifice. Je suppose qu'on pourrait mettre les dispensers tous à la suite et puis avec des timers. Ça on pourrait déclencher différents. Très joli. On pourrait déclencher des animations. Bref, en tout cas, il y aura bientôt des effets sonores également. Parce que c'est vrai que pour l'instant, ça fait un petit peu bizarre, ça décolle, il n'y a pas de son, tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vert. Enfin, je sais plus s'ils sont verts maintenant. Parce que le design a changé. Bref. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et à plus.